We'll be right back.
C'est bon? Oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Juste une petite annonce. Nos conférenciers ont quelques minutes de retard. Je crois qu'ils sont tombés sur un gisement en venant entre l'hôtel et ici. Donc forcément, ils se sont arrêtés. Dans le temps qu'ils déterrent 2-3 squelettes, 2-3 crânes, eh bien, ils seront à nous bientôt. Voilà. Donc je vous prie de patienter quelques minutes. Voilà. Je vous remercie.
Bonsoir à tous. Ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Donc bonsoir à tous. Bien voilà, je crois que nos conférenciers sont arrivés. Alors pour les faire patienter, je leur ai dit que vous aviez déniché un petit gisement de fossiles sur la route et que forcément, ça vous avait un petit peu retardé. Voilà, donc on a évidemment, c'est un grand plaisir de recevoir ces illustres personnes. Ils rentrent dans le cadre des grandes conférences et conférences d'exception de l'université. Et pour mieux en parler, je vais passer la parole à Lise Dumazy, présidente de la Commu. Chers collègues, chers partenaires, chères étudiantes et étudiants, chers auditeurs, venus d'horizons toujours plus variés, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors c'est un exercice devenu habituel auquel je suis appelée à me livrer ce soir, celui qui consiste à assurer l'ouverture officielle de nos conférences d'exception. Toutefois, je dirais habitude ne veut évidemment pas dire lassitude. Bien au contraire, puisque la qualité et la diversité des conférences que nous avons l'honneur et le plaisir, et des conférences et des conférenciers que nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir, me rendent cet exercice à chaque fois nouveau et stimulant. Et plutôt que la lassitude, c'est la curiosité, c'est l'impatience de la découverte mêlée d'admiration qui me remplissent et qui, je pense, vous remplissent aussi tous ici. Vous tous qui êtes réunis ce soir dans ce vaste et emblématique amphivel, toujours plus nombreux, toujours plus désireux d'étendre un peu plus l'étendue de vos connaissances, désireux de prendre part à un beau moment de diffusion du savoir, de réflexion, de controverse, pourquoi pas, être la plus belle preuve, je crois, que la lassitude ne fait pas partie de l'ADN du cycle des conférences d'exception. Vous êtes l'incarnation même de l'objectif affiché de nos conférences, celui de donner l'envie de la découverte, l'envie de l'exploration, qui fait partie de notre identité, explore, explore mort, celle que nous affichons et à laquelle nous croyons beaucoup, et aussi de donner un accès privilégié à des personnalités et à des savoirs de haute qualité, afin d'éveiller les esprits, d'ouvrir la voie à ces explorations et de susciter échanges et rencontres. L'objectif est à chaque fois atteint et je constate avec plaisir la qualité constante des conférences que nous ouvrons, des conférenciers qui nous font l'honneur de venir. Et je rappelle que ces conférences bénéficient des apports du programme d'initiative d'excellence et de son volet rayonnement social et culturel porté par la communauté Université Grenoble-Alpes, l'IDEX et l'ensemble de ses partenaires. Alors on peut faire un autre constat, c'est que le rythme s'accélère. En effet, la rentrée universitaire est à peine achevée, que déjà nous voilà réunis avec nos deux conférenciers pour notre plus grand plaisir. Et le mois prochain, ce ne sont pas moins de deux conférences également que nous organisons au cours de la même semaine, avec la venue du prix Nobel Gérard Mourou le 15 octobre et du physicien américain Kip Thorne le 17 octobre. Alors aujourd'hui, il faut le dire, cette conférence est un peu spéciale. Certes, chacune des conférences est spéciale, puisqu'elles présentent toutes des particularités et des modalités propres que nous découvrons à chaque rendez-vous. Mais une des spécificités de celle-ci, c'est qu'elle est à double voix. Et quelle voix ? Ce n'est donc pas un, mais deux grands noms de la science, Michel Brunet et Yves Coppens, tous deux professeurs au Collège de France, qui viennent nous partager leurs découvertes, leurs approches, quelque peu différentes, mais toutes du plus haut intérêt, évidemment, pour la science. Je laisserai Stéphane Guillot, directeur du laboratoire ISTER, présenter l'étendue de leurs recherches et de leur parcours, puis nos invités auront l'occasion de nous donner les raisons de ce fructueux duel, puisque le terme duel est utilisé pour la conférence de ce soir. Merci sincèrement à tous deux d'être présents, c'est un réel honneur pour notre communauté. Une autre spécificité de cette conférence d'exception, c'est la diversité des collaborations qui ont œuvré à la venue de nos conférenciers. Il me faut en effet rappeler le rôle majeur qu'ont tenu les organisateurs du Congrès national de traumatologie à l'usage des urgentistes, dont messieurs Brunet et Coppens sont membres du comité scientifique, congrès qui, rappelons-le, a démarré à Grenoble aujourd'hui même. Je veux aussi saluer l'engagement du département de l'Isère, partenaire phare de cet événement, qui apporte un grand soutien et dont les équipes se sont mobilisées pour les visites des musées départementaux, musée archéologique Saint-Laurent et musée de l'Ancien Évêché. Enfin, je veux remercier la librairie Artaud qui organise une rencontre dédicace ce samedi à 16h30 et qui est présente aujourd'hui dans le hall de cet amphi pour proposer des ouvrages de nos conférenciers. Nous sommes évidemment très heureux de ces collaborations précieuses et fidèles.
Et puis, il y a l'incontournable collaboration avec les lycées. C'est une condition sine qua non, vous le savez, de l'organisation de nos conférences, c'est qu'elles puissent irriguer notre jeunesse au-delà des murs de l'université et aussi donner l'occasion à chaque fois des lycéens de s'approprier, fût-ce l'espace d'une soirée, les lieux et l'esprit de l'université. Cette fois, ce sont les lycéens d'Argouges qui ont eu droit à une visite privilégiée des professeurs Brunet et Coppens dans leur établissement cet après-midi. Pour eux, c'est un moment unique, une opportunité exceptionnelle. Ils ont préparé cette rencontre avec leurs enseignants de sciences de la vie et de la terre en lien avec les équipes de l'université Grenoble-Alpes. Ce sont ainsi 200 lycéens qui ont pu échanger avec les professeurs autour de leurs travaux, leur parcours et leurs découvertes. Ce soir, c'est à notre tour, à votre tour, de vous écouter, d'échanger avec vous et de profiter de vos connaissances lors de cette conférence joliment nommée de Lucie Atoumaï, un duel aux origines de l'université et de l'humanité. Bon, comme vous voyez, j'ai une grande idée de l'université. Et de comprendre comment vos recherches, initiées par des théories différentes, ont de part et d'autre œuvré à faire reculer tout bonnement de plusieurs millions d'années la date de l'apparition des premiers hominidés sur Terre et non pas universitaires. Je vous remercie, cher professeur Brunet, cher professeur Coppens, de nous faire l'honneur de votre présence ce soir, de participer à la réussite des conférences d'exception, de participer surtout au succès de la transmission de la science à des publics divers et larges au sein de notre université et au-delà, ce à quoi nous sommes très attachés. Je remercie également une nouvelle fois l'ensemble des partenaires qui ont contribué à l'organisation de votre venue à Grenoble et que j'ai cité précédemment. Et je remercie enfin les équipes de notre communauté et nos services qui mettent en œuvre ce cycle pour la programmation, l'organisation, la communication et l'audiovisuel. Merci enfin à vous tous d'être ici, c'est vous qui donnez sens à ces conférences. Je souhaite une bonne conférence à tous, une très belle rencontre avec Michel Brunet et Yves Coppens. Ensemble, faisons donc connaissance. Merci Madame la Présidente. J'en profite pour saluer Patrick Lévy, président de l'Université Grenoble-Alpes. Monsieur Coppens, Monsieur Brunet, chers collègues, mesdames et messieurs, permettez-moi d'être un petit peu léger en paraphrasant Aristote. Je dirais qu'il y a trois types d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui creusent dans le désert. Les deux homo sapiens sapiens que nous avons l'insigne honneur de recevoir ce soir à Grenoble font partie de cette troisième catégorie. Bien évidemment, ils sont un peu plus que cela. Ce sont des découvreurs. Pour ceux et celles qui n'ont jamais participé à une campagne de terrain sous le soleil brûlant de l'Afrique, prenez conscience que trouver des restes humains vieux de plusieurs millions d'années, enfouis parfois sous des mètres de sédiments ou éparpillés sur des sols rocailleux, est une gageure. Il faut un beau réseau local, de l'intuition, il faut faire preuve d'abnégation et d'un peu de chance. En tant que géologue, j'aurais aimé être présent en 1974 dans le sud de l'Éthiopie, écouter la musique des Beatles aux côtés de Yves Coppens et découvrir les ossements de Lucie, cette australopithèque âgée de 3,2 millions d'années. J'aurais aimé être présent en 1995 aux côtés de Michel Brunet dans le Sahara tchadien, rencontrer Abel, un cousin de Lucie âgé de 3,6 millions d'années, et puis en 2001, la consécration absolue, découvrir le crâne de Temaï, peut-être notre ancêtre à tous. Un peu vrêle, certes, 1 mètre pour 35 kilos, mais tout de même âgé de 7 millions d'années. Pardon. Ayons un peu de respect et une pensée émue pour le plus ancien homininé connu à ce jour. Yves Coppens et Michel Brunet, ce ne sont pas que des découvreurs, ce sont de grands scientifiques. Leurs travaux sur la morphologie des ossements, forme du bassin, emplacement de la colonne vertébrale, et la morphologie de la boîte crânienne, en particulier le recul en arrière du trou occipital, ont repoussé l'âge de la bipédie. Avant leurs travaux, les paléontologues estimaient que la bipédie était apparue vers 1 million d'années avec Homo erectus. La découverte de Lucie a repoussé la bipédie à 3,2 millions d'années, puis à 7 millions d'années avec Toumaï, ce qui change évidemment bien radicalement notre vision sur l'évolution de l'humanité. Rappelons également que pendant ces millions d'années, ces hominidés vont conquérir toute l'Afrique. Ils vont y évoluer tranquillement et ce n'est que seulement 100 000 ans que Sapiens va quitter l'Afrique vers l'Océanie, puis ensuite conquérir le reste du monde. Je vous invite à lire
à lire pardon, les livres passionnants de Yves Coppens, « Origine de l'humanité » et « Nous sommes tous des Africains » par Michel Brunet. Titre ô combien fort et salutaire au moment où nous refoulons de nos côtes nos frères d'Afrique. Mais revenons à nos conférenciers. Ces deux grands conférenciers sont ceux-ci, aussi et surtout auprès du grand public, des transmetteurs de savoir hors pair. Tout d'abord auprès des étudiants, ils ont été tous les deux professeurs des universités. Yves Coppens au Muséum d'histoire naturelle de Paris, Michel Brunet à l'université de Poitiers. Ils sont tous les deux professeurs émérites au Collège de France. Yves Coppens est également membre de l'Académie des sciences. Ce sont également de grands communicants. Leurs nombreuses interventions au travers de la radio et la télévision en attestent depuis très longtemps. Ce serait beaucoup trop long et fastidieux de faire la liste de leurs distinctions. En voyant le film qui va suivre, ou au moins des extraits de ce film, vous aurez, et les échanges que vous aurez ensuite avec ces conférenciers, vous découvrirez pourquoi ces deux homo sapiens sapiens sont de ceux qui font avancer la science, qui savent la transmettre et qui, bien sûr, nous interrogent sur nos origines. Le film que vous allez voir ce soir revient sur ces découvertes majeures, mais aussi l'importance de Lucie dans notre inconscient collectif. Alors que Touma est considéré par quelques scientifiques comme un grand singe et non pas comme un homininé, a eu plus de mal à faire sa place dans notre panthéon, alors que sa découverte au Tchad est majeure et même remet en question le fait que le rift est-africain soit le berceau de l'humanité, la fameuse East Side Story de Yves Coppens. Mais je n'en dirai pas plus, place aux images, place au duel et place au débat. Je vous remercie. Alors justement, pendant que ça se prépare, c'est pas la première fois que je viens ici, à Grenoble, c'est pas la première fois, je suis souvent à Grenoble, et même dans cet amphi, et dans cet amphi, un de vos amis là, me le disait tout à l'heure, un des organisateurs me le disait tout à l'heure, je suis venu avec, au départ avec Griffes et puis un collègue belge. Et Griffes parlait évidemment de parler de l'origine, enfin l'origine de l'histoire de l'univers, le collègue belge de l'origine de la vie et moi de l'origine de l'homme. Et nous avions eu un nombre de Grenoblois extraordinaires, et je pense que c'était une période un peu chaude, un peu douce, parce qu'il y avait des jeunes gens sur la pelouse, quelque part par là. Enfin, c'était un grand moment, vraiment un très grand moment. Et vous étiez très très nombreux, comme ce soir, je suppose. Mais j'ai eu l'occasion de venir d'autres fois, mais je ne peux pas vous raconter ma vie à Grenoble, parce qu'on va faire un duel, là. Je vais juste inviter. Pourquoi il n'y a pas de son ? Ne vous inquiétez pas, il va sortir, ça va aller. Ah bon ? C'est parti. Allez, c'est parti, on est dans les couloirs là.
Tu me dis si je... Et donc, si on avait l'occasion de... C'est le morceau, hein? Ton montage. Non, c'est pas ton réalisateur qui les a choisis. D'accord. Alors. Bon. Vas-y, à toi l'honneur. Merci. Donc bonjour, pardon de me présenter comme ça, mais j'ai arraché mon piercing. Et du coup, ça, vous voyez que vous riez, c'est épouvantable. On voudrait apparaître moins vieux qu'on ne l'est, et vous riez, donc c'est fini. Bon, j'arrête. Donc, pardon de me présenter comme ça. Ce que je voudrais vous dire en quelques mots, bien sûr, c'est notre passion à tous les deux. C'est une passion que l'on partage, en dehors de nos duels, qui sont des petits duels pas sérieux. Une passion de paléontologie, bien sûr, de science en général, d'archéologie aussi, en ce qui me concerne, et d'archéologie et de paléontologie... de terrain. C'est très important parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent dans leur labo et qui travaillent fort bien dans leur labo, et on en a besoin. Il y en a d'autres qui travaillent dans leur labo parce qu'ils n'osent pas aller sur le terrain. Et nous, attirés par le monde, attirés par le travail où véritablement on trouve à la fois la poterie ou la pierre taillée ou le fossile dans son berceau, dans son niveau, ça nous a intéressé au point qu'on est tous les deux partis, chacun de notre côté d'abord, et puis ensuite, toujours chacun de notre côté d'ailleurs, mais au début sans le savoir, et ensuite en se rencontrant. Mais on a beaucoup couru le monde, enfin Michel Brunet vous en parlera. Lui, il est d'abord parti au Proche-Orient, et il a mis le feu à tout le Proche et le Moyen-Orient, donc il est parti ensuite en Afrique, puis il a mis le feu à l'Afrique, alors après il est parti en Amérique du Sud. Et pour le moment, ça va là-bas, mais ça ne va pas tarder à changer. Alors moi, j'ai travaillé d'abord en Bretagne, parce que je suis né en Bretagne. Et en Bretagne, il n'y avait pas beaucoup de paléontologie. Il y avait une paléontologie, mais une paléontologie de l'ère primaire. C'était tout à fait autre chose. Moi, j'étais intéressé par les vertébrés et par l'humain. Donc les trilobites, ça m'intéressait un peu, mais pas trop. Mais quand même. Et donc, j'ai fait beaucoup d'archéologie. Et pour me présenter juste en quelques mots, puisqu'on a quelques mots avant des échanges, je vous raconterai mes 20 ans. Enfin, si ça tombe comme ça, quoi.
Il se trouve qu'en Europe, en France, 20 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'on a donné 20 ans à Lucie, alors qu'elle en a sans doute un petit peu moins, mais ça faisait mieux de dire qu'elle avait 20 ans. En fait, ce qu'il ne faut pas dire, c'est qu'à 20 ans, c'était une vieille bonne femme. Enfin, ça, je ne le dirai à personne. Parce que Lucie, on se la représente comme une jolie pin-up des savanes, mais en fait, je ne vous dis pas. Et donc, à 20 ans, il se trouvait que j'étais sur une petite île du nord du Finistère, qui s'appelait Carnes, qui s'appelle Carnes. Carnes comme Carnac. Et Carnes en breton, ça veut dire un tas de cailloux. Donc le tas de cailloux, ça m'intéressait. J'étais étudiant à Rennes. Nous sommes partis, quelques étudiants et un prof de Rennes, sur cette petite île. Il y avait une butte sur cette petite île. On ne savait pas ce que cette butte cachait. Et donc on est allé, on a fait des mesures, on a fait des plans. Et puis ensuite, on a fait quand même un carottage, un sondage, plutôt vers l'est. Et on est tombé dans une sorte de coffre. Alors, faut un coffre en pierre, hein, en pierre sèche. Et ce petit coffre était rectangulaire, il y avait une espèce de dalle au-dessus, et on a fouillé ça, et on a trouvé quelques vagues tessons, mais enfin ça voulait dire tessons de poterie, donc ça voulait dire que c'était quand même un monument, ce que l'on espérait. Et puis il y avait un mur d'un côté, un mur de l'autre, puisque c'était vraiment un coffre de coupe quadrangulaire. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Donc on a sondé, il n'y avait rien, on a sondé, il n'y avait rien, on a sondé, il n'y avait rien. On a sondé, il y avait quelque chose, il y avait un trou. Alors ne riez pas, mais parmi les petits étudiants, on était 3 ou 4 étudiants, c'était moi le plus mince. Ouais. Donc c'est moi qui ai été choisi pour passer dans le trou. Et on a retiré, c'était drôle, on a retiré quelques pierres pour faire un guichet. Et je suis passé à travers ce guichet, vous vous rendez compte, ma carrière aurait pu se terminer là, quoi. Je suis passé à travers un guichet, pour mes 20 ans, c'est formidable, et je suis entré dans une salle, enfin quand même, quand on a la passion de l'archéologie, quel bonheur, je suis rentré pour la première fois depuis 7000 ans dans une salle circulaire, avec une voûte en pierre sèche, en pierre en encorbellement, vous savez, les pierres comme ça qui finissent par faire une voûte. Et c'était une sépulture néolithique. Et en fait, c'était ce qu'on appelle un dolmen, ce qu'on appelle un tumulus. Et en fait, ce tumulus, en général, c'est ce qu'on appelle un dolmen à couloir. C'est-à-dire que vous avez un couloir et puis une chambre. Et en l'occurrence, c'est la même chose. Mais la chambre dans laquelle j'avais pénétré était une chambre donc circulaire et à tolos, à voûte, ce qui est rare. Et ensuite, quand les gens l'ont quitté, ils ont mis un petit mur pour le fermer. Ils ont pratiqué le couloir et ils ont fermé aussi le couloir. Autrement dit, le couloir était fermé, la chambre elle-même était fermée. Et détail qui, moi, me touche, bien sûr, ma maman et mon père ont dit, quand même, pour tes 20 ans, tu vas rentrer à la maison. Je dis non. Et ce sont eux qui sont venus sur mon terrain me fêter mes 20 ans, donc voilà, mes petits 20 ans. Alors après, j'ai couru le terrain africain, bien sûr, pendant bien des années. Et puis après, beaucoup d'autres terrains, dont la Sibérie. Vous voyez, ça va vraiment du très chaud au très froid. J'ai vécu un peu à Djibouti, où les chaleurs sont, paraît-il, maximales. Et en Afar, qui n'est pas au sud de l'Éthiopie, hein. Lucie a été trouvée dans l'est de l'Éthiopie, il fait aussi très chaud, c'est tout près de Djibouti, c'est pareil. Et en Sibérie, évidemment, je suis allé à des périodes de l'année où il ne fait pas très froid, trop froid, parce que quand il fait trop froid, je ne peux plus fouiller. Et juste un petit mot à ce sujet, Michel Bonnet va vous parler sûrement de découvertes d'ossements à travers toute l'Afrique qu'on a fréquenté tous les deux. Mais quand je suis arrivé en Sibérie, il y avait des défenses de mammouths qui sortaient du sol, donc qu'on a extrait, et puis on a sorti les éléments de crâne qui étaient liés, bien sûr, aux défenses, qui sont des incisives. Et puis j'ai fait une fouille comme en Afrique. Moi, j'avais plein de Russes avec moi. Et j'ai fait une fouille, c'est-à-dire que j'ai fait une grande tranchée, puis je suis descendu dans une tranchée. C'est du permafrost, c'est dégoûtant. C'est de la terre qui était gelée et qui a fondu le temps d'un été. Et donc c'est une terre noire, c'est sale, c'est pas beau. Donc je fais une belle tranchée, je nettoie ça le mieux possible. Au petit matin, un jour, je retourne à ma tranchée, et je trouve de l'étoupe au fond, une espèce de filament un peu bizarre. Et je râle,
Je dis à mes Russes, qui est-ce qui est allé fouiller dans mon propre terrain, dans ma propre tranchée, pendant que je me reposais, pendant que je dormais, qui est allé? Personne ne répond. Je retourne et je regarde ça de plus près. Je tire sur les petits bouts d'étoupe qui ne viennent pas. Et j'étais, rire, sur le dos d'un mammouth. C'était les poils d'un mammouth de 20 000 ans qui étaient là en dessous, dans le terrain encore gelé, parce que ça dégèle sur 70 cm, 1 mètre. Donc c'était dans la partie dégelée que j'avais le crâne et puis les défenses, et le reste de la bestiole était en dessous. Donc mon étoupe et mes grognements étaient dus au fait, en fait, que j'étais sur le dos d'un mammouth de 20 000 ans que j'ai exploité plus tard. Enfin, etc. J'ai beaucoup d'autres histoires à vous raconter. Merci. Avant de me présenter, je voudrais tout d'abord remercier très vivement l'université, la ville de Grenoble, le département, et bien sûr le congrès de traumatologie pour les urgentistes. Mais dans ces remerciements, je dois vous dire que si nous sommes là, tous les deux, ce soir, c'est grâce à la ténacité, à la gentillesse d'un homme, le docteur Jean-Jacques Benny Hachemi, qui est là au premier rang, et vous pouvez l'applaudir. Il a beaucoup... Il a su être convaincant. Il n'a pas ménagé sa peine. On s'est souvent parlé au téléphone. Il m'appelait, forcément, il ne m'avait pas. Je le rappelais, il était forcément pris par autre chose, mais il a toujours su répondre présent. Jean-Jacques, merci à toi, car c'est grâce à toi que nous sommes là, ce soir, parmi vous. Il a même tout prévu, vous voyez, au cas où mon piercing retomberait. Merci. Yves vous a raconté un bout de son histoire, je vais vous raconter un bout de la mienne, mais c'est plus simple, rassurez-vous. Le duel commence. Et ça va être plus facile, il va commenter. Je suis né... quelques six années après le jeune homme qui est à ma droite. De telle sorte que lui, comme moi, on est jeune depuis beaucoup plus longtemps que vous. Mais à l'époque où je suis né, mes parents habitaient Versailles, et à cette époque-là, la France était partagée par une ligne à la fois virtuelle et réelle, qui séparait la France en deux parties très inégales. Au nord de cette ligne appelée ligne de démarcation, il y avait la France occupée, donc mes parents habitaient en France occupée, à Versailles, mais mes grands-parents habitaient au sud de cette ligne, donc en France libre. Et ma maman m'a emmené naître chez ses parents, en France libre. Et c'est ainsi que je suis né pictave, libre. Les lycéens tout à l'heure m'ont demandé, pictave, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est fossile? Alors si vous préférez Poitevin, je suis né au sud de Poitiers,
entre le vieux château de Jancey et, puisqu'il y a des géologues, le Horst de Champagné-Saint-Hilaire. Mais ce qui est important, c'est que je suis né français libre, pictave libre, et que toute ma vie, je suis resté libre. Certes, j'ai fait pas un métier, j'ai vécu une passion qui me permettait d'être encore plus libre. Je suis allé à l'école la première fois, j'avais 8 ans. Ah oui, il n'y avait pas la loi de l'école obligatoire à 3 ans, c'était 7 ans. J'avais négocié cela avec ma grand-mère, à condition qu'elle ne le dise pas à mes parents qui venaient régulièrement me visiter. Bon, un jour, ça a été la fin de la récréation, je suis reparti à Versailles. Mais c'est à cette époque que je suis devenu naturaliste. Quand on m'a appelé au Collège de France et quand j'ai été élu au Collège de France, on m'a dit « Mais vous êtes dans quelle discipline ?» J'ai répondu « Naturaliste ». Je suis devenu naturaliste à ce moment-là. J'étais très attiré par ce qui était humain. Mais encore à cette époque-là, il n'y avait pas d'ONG. S'il y avait eu des ONG, sûrement je ne serais pas là ce soir et j'aurais fait médecine, sûrement. Et je me serais retrouvé à, je ne sais pas, Médecins sans frontières, Médecins du monde, quelque chose comme ça. Pour concilier tout ça, je devais faire quoi ? Bon, c'était tout simple, je devais faire de la paléontologie. Pour faire de la paléontologie, Yves vous l'a dit, j'ai commencé à apprendre le métier. Et apprendre le métier de paléontologue, ce n'est pas l'apprendre uniquement dans les livres, il faut l'apprendre sur le terrain. Alors, je l'ai d'abord appris dans la genêt des buttes. Sur place, avec l'accent local, ça ne fait pas exactement ça. Au niveau du Lot, vous avez au nord du Lot la genêt avec des buttes qui sont couronnées toutes par du calcaire, qui est du calcaire aquitanien, un calcaire lacustre. Et au sud, quand vous faites une rotation de 180 degrés, vous avez la genêt des plateaux, qui est couronné par un calcaire aussi, mais c'est le calcaire gris de la genêt. Et quand j'ai connu un peu du métier, je suis parti effectivement à l'est, très à l'ouest. Je suis allé en Afghanistan. À l'époque, je suis parti en 76. Les relations avec l'Afghanistan, nos relations avec l'Afghanistan étaient des relations très fortes. Le président de la République, Georges Pompidou, avait fait construire le lycée français, le lycée Istiklal, à Kaboul. Et puis, personne n'avait trouvé de fossiles de vertébrés. Il y avait des paléontologues, mais pour les invertébrés. Et on a trouvé beaucoup de fossiles. Mais on est retourné en 77. Et Yves l'a dit, pas de chance. En 77, il y a eu le coup à Kaboul. 20 000 morts la première nuit, je vous passe les détails. On est retourné jusqu'en 79, mais en 79, je savais que de toute manière, ce n'est pas en Afghanistan qu'on trouverait des hominis nés anciens. Non. Et pour ce faire, je suis allé travailler avec les Américains qui étaient un peu plus loin, dont l'équipe de David Pilbeam, professeur à Harvard University, qui avait décrit ce qui était considéré comme un homininé, le Ramapithèque, qui s'est révélé être une femelle et non un mâle, et qui s'est révélé, lorsqu'ils ont trouvé une face, avoir des affinités très fortes avec les orang-outans. Je ne vous dis pas, hein,
quand il faut aller dire aux politiques « Excusez-nous, on s'est trompé, vous n'êtes pas le berceau de l'humanité, mais vous êtes le berceau des orang-outans ». Ça ne fait pas le même effet, hein, mais pas du tout le même effet. Hein. Bon, je passe tous ces détails. J'ai eu d'autres aventures en Asie. À chaque aventure asiatique, j'ai effectivement eu la chance de connaître les prisons locales. J'ai connu les prisons à Kaboul, j'ai connu les prisons à Bagdad, etc. quoi. Mais ça s'est toujours bien terminé. Et puis, un jour, je suis parti en Afrique. Alors, j'ai consulté mon collègue, j'allais dire et ami, et je lui ai dit, est-ce que tu as envie de retourner au Tchad? Parce que comme il l'a dit, il avait travaillé au Tchad un certain temps. Et il me dit, non, maintenant c'est l'Afrique orientale. Alors c'est drôle, j'ai fait le tour de tous les collègues, notamment des collègues géologues, en leur disant, je vais aller en Afrique travailler, mais je ne veux pas aller en Afrique orientale. Tout le monde était en Afrique orientale, un peu moins en Afrique du Sud, parce qu'il y avait l'apartheid. Et tout le monde me disait, non, c'est idiot d'aller en Afrique à l'ouest du Rift. Je demandais, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, tu ne trouveras rien. Et je demandais à nouveau, pourquoi? Vous disiez, non, il n'y a rien. C'est comme ça. C'était un postulat de base, il n'y avait rien. Tu avais convaincu tout le monde. Sauf moi. Et est arrivé ce qui devait arriver. Après, alors je vous passe les péripéties. Aller au Tchad, c'était pas simple, parce que forcément, ils étaient en train de faire la guerre. Alors entre le moment, j'ai passé plus de 10 ans à attendre au Cameroun, et en cherchant au Cameroun avant de pouvoir rentrer au Tchad. Puis un jour, les Tchadiens m'ont dit, vous pouvez venir. Et là, ça s'est accéléré pour moi, parce qu'au bout de la deuxième année, on a trouvé Abel. Et enfin, ça montrait que les Australopithèques, les plus anciens préhumains connus à ce moment-là, avaient une répartition géographique beaucoup plus vaste que celle qu'on pouvait imaginer, compte tenu du matériel qu'on avait. Puis, on a continué à travailler au Tchad. À partir de 1997, on a trouvé des gisements très anciens, qui ont pu être datés après à 7 millions d'années. Et je me souviens avoir dit à un des étudiants tchadiens qui faisait partie de l'équipe, on va trouver à 7 millions et c'est toi qui trouveras. C'était le meilleur chasseur de fossiles de l'équipe. Ça s'est passé comme ça. C'est lui qui a trouvé. Et il a toujours été surpris que quelqu'un lui dise plusieurs années avant, 97-2001, qu'il allait trouver. Alors forcément, c'est un peu fou parce que, mais c'est très humain, c'est une histoire très humaine aussi. Pendant toute cette tranche de vie qui a duré un certain temps, il y a eu cette première tranche où on travaillait et on ne trouvait pas ce que l'on cherchait. Et naturellement est arrivé un drame. Un de mes collègues, qui était aussi un ami très proche, est mort d'un palu foudroyant, résistant. Il s'appelait Abel. C'est pourquoi le premier Australopithèque connu à l'ouest de la Rift Valley s'appelle Abel. J'ai toujours eu et j'ai encore le sentiment, c'était un pétrographe. Il était venu pour m'aider, il est mort à ma place. Mais telle est la vie. On ne peut pas décider de tout. Et puis, quand on a trouvé Touma, là, je suis allé voir le président de la République, Idriss Déby, à qui j'avais dit, quelques années auparavant, on trouvera le plus ancien au Tchad.
Et quand je suis arrivé avec, je lui ai dit, voilà, c'est le crâne, c'est le plus ancien. Il faut le nommer, c'est vous qui allez donner le nom. Il m'a dit, non, vous faites ça très bien, le premier, vous l'avez appelé Abel, c'était très bien. Je dis, oui, mais le plus ancien, c'est vous. Le père de la nation, c'est vous. Il ne savait pas, hein, j'avais pris une audience privée, et il ne savait pas pourquoi je venais. Et en 10 secondes, je lui avais rajouté, si vous voulez, que tout le monde connaisse ce nom, que ce nom fasse le tour de la terre, il faut qu'il ait 2 syllabes, pas plus. Et il me dit, Toumaï. Je lui ai demandé comment ça s'écrivait, Toumaï. Je lui ai demandé de quelle langue ça venait, la langue Goran, les nomades locaux de ce désert. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Il m'a dit « espoir de vie ». Je l'ai regardé, il m'a dit « oui ». Quand ces nomades, qui sont des Gorans, ont des enfants qui naissent juste avant la saison sèche, leurs chances de survie sont plus faibles. Et ils les appellent tous Toumaï. J'ai dit « ok, c'est parfait ». Et il est né entre le peuple tchadien et Toumaï, une véritable histoire d'amour. Le président du Tchad ne fait pas un seul discours officiel au Tchad ou à l'étranger sans parler de Toumaï. Parle toujours de Toumaï. Il a construit pour Toumaï à Djamena un musée de 4 étages. Chaque niveau fait 1 500 m². Il avait une compagnie aérienne qui s'appelait Toumaï Air Tchad, etc., etc., etc. Alors, j'insiste là-dessus parce que j'y tiens beaucoup. Au Tchad, avec mon équipe, on a fait une vraie collaboration. Une vraie collaboration. On n'a pas été au Tchad prendre des fossiles, les amener en France, publier à Science, à Nature, etc., et puis retourner les fossiles après. On a fait de la formation. On a fait 5 thèses. J'avais négocié avec Idriss Déby que, au départ, j'en prendrais 2. Mais comme c'est un pays qui est à la fois musulman et chrétien, les musulmans sont minoritaires, les chrétiens sont majoritaires, mais sont les musulmans qui sont au gouvernement, j'avais dit, je prendrais 1 musulman ou 1, et même chose du côté chrétien. Je ne prendrai pas ou la petite cousine ou le petit frère ou le meilleur, la meilleure. Et en échange, vous, président de la République du Tchad, vous construirez un département de paléontologie à l'université de N'Djamena. Ça a été fait ainsi. Et j'oppose à cela, quand je suis arrivé au Tchad, la première fois, on m'a dit, tu fais quoi, toi? Je leur ai dit, je suis paléontologue. On m'a dit, c'est quoi, ça? J'ai expliqué. Alors, la personne qui était devant moi, qui était quelqu'un de très haut placé, m'a dit, chez nous, on n'a pas ça. Nous, on est un pays pauvre. Ça, c'est un métier de riche. Eh bien, je suis fier, la chose dont je suis le plus fier, c'est la collaboration qui a été établie entre la France et le Tchad dans ce niveau des sciences. Et ça, ça me semble vraiment très, très important. Et à l'heure actuelle, j'en ai parlé à toutes les autorités locales, y compris les autorités françaises. Il va falloir que je pense un de ces jours à sûrement réduire mes activités de terrain, et donc l'équipe tchadienne va prendre la suite.
et deviendra plus ou moins autonome. Au moins dans un premier temps sur le terrain. Et ça, ça me paraît très important. Le message pour les jeunes dans la salle, c'est que si vous regardez tout ça sur une carte africaine, eh bien, avec mon équipe, on a mis 2 points. Le premier Australopithèque à l'ouest de la Rif, il y a 1 point, c'est tout. Et puis un 2e point, le plus ancien des préhumains connus. C'est un peu comme quand Armstrong a été dans la Lune. Armstrong, quand il est arrivé sur la Lune, il a dit la phrase célèbre que vous connaissez tous, puis il a planté un drapeau. C'est pas pour ça qu'il connaissait la Lune. Eh bien, nous, on a planté un drapeau aussi. Au Tchad, il y a une partie de notre histoire. Nous sommes en train d'écrire, un des tout premiers chapitres de notre histoire, à nous, les humains. Et on l'écrit au Tchad. Alors, forcément, si le président Déby était là, parmi nous ce soir, il me dirait, tu es terrible quand même. Tu sais bien que le Tchad, c'est le berceau de l'humanité. Toumaï montre, et ça c'est sûr, que le berceau de l'humanité, c'est le continent africain. Chercher le point origine me paraît être du rêve, voire même pas une bonne question. Sur cette histoire qui a duré au moins 7 millions d'années, peut-être qu'il y a une heure ou deux, je ne sais pas, Nature, Science ou une autre revue ont publié la découverte d'un autre préhumain à 8 millions d'années ou à 9 millions d'années. Je ne sais pas, je suis là, je n'en sais rien. Mais pour le moment, c'est lui le plus ancien. Vous imaginez notre histoire, pour le moment, c'est 7 millions d'années. On est parti d'Afrique. Sur ces 7 millions d'années, quand on cherche en dehors de l'Afrique, quel est le membre de notre famille, la famille humaine, qui est connue hors d'Afrique, eh bien, le plus ancien connu à l'heure actuelle hors d'Afrique, il est à Dmanisi, en Géorgie. Et vous savez à combien il est daté ? 1,8 million. 1,8 million. Allez, arrondissons, 2 millions. Ça veut dire qu'on a passé 5 millions d'années de notre histoire en Afrique. 5 millions d'années. On est seulement en Eurasie depuis 2 millions d'années. Je ne parle pas du Nouveau Monde où on est arrivé il y a moins de 20 000 ans. Je prends mon bâton de pèlerin, ce n'est pas le cas ici ce soir, pour délivrer une conférence. Je remercie publiquement Yves qui a eu la gentillesse de m'inviter et j'ai proposé ce titre. Il m'a invité à l'Académie pontificale au Vatican. Et je leur ai proposé aussi ce titre de conférence qui a été accepté. Nous sommes tous des Africains et hors d'Afrique, tous des migrants. Alors, je ne sais pas comment vous envisagez la suite. Peut-être on peut commencer à recevoir des questions. Si vous voulez, après, si vous êtes sage et s'il n'y a plus trop de questions, on pourrait vous montrer des images, enfin, comme vous voulez. Monsieur le modérateur, vous voilà, merci. Merci pour cette introduction. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle, parce que je crois que ces deux personnes... dans notre imaginaire collectif, joue un rôle important depuis longtemps. Et donc, je pense qu'évidemment, ça doit susciter des questions.
Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Pas tous en même temps. Hein. Soyez pas timides, vous arrivez avec vos questions et nous avec nos réponses. Bon, posez-leur des questions qui les amènent au débat et au duel, évidemment. Oui, monsieur. Hein. Pourquoi aviez-vous la certitude que ça, c'était au Tchad que ça allait se passer? Yves Campin, ça avait une autre certitude que c'était certainement pas à la BAM, donc votre certitude a répondu une autre certitude. Mais pourquoi? Monsieur, je vais vous faire tout de suite un aveu. Quand je fais une conférence, je propose un certain nombre. On fait un PowerPoint et j'ai une image qui dit la chose suivante. Notre seule certitude est notre incertitude. Alors, si vous voulez que je parle de mes certitudes, j'en ai pas. Hein, j'en ai pas. Alors, pourquoi au Tchad? Alors ça, je peux vous répondre. Parce que à l'ouest, mon jeune collègue avait mis au jour des faunes qui correspondaient étrangement aux faunes, pour certaines d'entre elles, aux faunes qu'il avait ensuite mis au jour à côté de Lucie, dans l'Est africain. Ouais. Donc, pourquoi pas continuer sur cette lancée? Pourquoi pas? Alors, il faut savoir qu'au Tchad, comme ailleurs dans les déserts, on n'arrive pas avec une pioche et on ne creuse pas, quoi. Hein. Si, les géologues creusent pour faire... Le Tchad, c'est le bouclier africain, puis au-dessus sont les sédiments du lac Tchad. Le lac Tchad, c'est un lac qui rend le désert du Sahara intermittent. Le lac Tchad, à l'heure actuelle, c'est 15 000 km², mais le méga lac Tchad, qui est périodique, c'est 400 000 km², c'est la Caspienne. Lac d'eau douce, hein, d'eau douce. Donc vous avez un vieux bouclier africain, puis dessus vous avez des sédiments lacustres, qui sont subhorizontaux. Il n'y a que la tectonique qui est calme au Tchad. Il n'y a que ça. Et on ne va pas se mettre à creuser tout le désert. Vous imaginez que notre terrain de jeu, le bassin du lac Tchad, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est 5 fois la France. Donc, il faut chercher les endroits où il y a le plus d'érosion. Pour le moment, nous travaillons dans une région qui est située entre, et je ne vais pas vous dire exactement, sinon vous allez y aller, vous trouverez avant nous, qui est située entre le massif du Tibesti et le massif de l'Enedi. À certains moments de l'année, les vents dominants viennent du nord-est. Ces vents s'engagent entre les deux massifs montagneux, puis se focalisent par effet Venturi. Alors là, je n'en parle pas parce qu'il y a des physiciens très, très, très pointu à Grenoble, eh bien, ce vent creuse. J'ai fait des tests d'érosion. C'est en moyenne sur du grès très dur, dans lequel vous ne rentrez pas la pioche, 5 cm par an. Des caps, 5 cm. Donc, nous sommes là, dans ce que les Tchadiens appellent le Pays Bas. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un des tout premiers chapitres de notre histoire. Eh bien, vous avez là un des chapitres de notre histoire, à nous, les humains, qui est là, écrit, et le vent tourne les pages. Mais quand le vent a tourné une page, il l'a effacée. Donc, il faut être là au bon moment. Alors, par contre, on fait un travail qui est un travail plus délicat. Il y a des toutes petites bêtes là-dedans, qu'on appelle des rongeurs. Merci. Et eux, on ne les voit pas à l'œil nu. Donc on balaye le désert et on tamise. En moyenne, je disais tout à l'heure au lycée qu'il faut tamiser à peu près 1000 tonnes de sable. 1000 tonnes pour avoir un reste. Sur 1000 tonnes, vous avez un reste humain. Ça vous donne une idée, quoi. Le rendement est assez bon. Mais non, parce que vous n'avez pas pensé au fait que le sable, c'est la densité du quartz, c'est 2,8. Hein. Donc une tonne, c'est pas très gros. Hein.
Bon, mais il faut... Une question, quand même une tonne, hein. J'ai une question, là, s'il vous plaît. Oui. Vous avez dit à votre étudiant, on va chercher un 7 millions et c'est toi qui vas le trouver. Pourquoi vous n'avez pas mis la barre plus haut? 10, 15? Parce que je n'avais pas trouvé, alors je ne me suis pas exprimé complètement. En prospection, quand j'ai trouvé les sites qui nous ont livré Toumaï, j'avais trouvé des fossiles qui impliquaient une date qui était au moins 6-7 millions d'années. Une date qui rentrait dans ce que les géologues appellent le Miocène supérieur, terminal, vous l'appelez comme vous voulez. C'est tout. La barre plus haut, j'ai essayé. J'ai essayé. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Alors là encore, j'ai aucune certitude. Sûrement qu'un jour, on va... Une équipe va trouver, je l'espère, va trouver quelque chose de plus ancien. C'est humain. Je voudrais juste répondre un peu à ce monsieur. Les premiers pré-humains, appelons-les comme ça, ont été trouvés en Afrique du Sud. Et puis ensuite, on a travaillé beaucoup en Afrique de l'Est. Maintenant, avec Michel Brunet, l'Afrique du Centre. Et en gros, ça dessine, si vous voulez, une sorte d'arc des tropiques autour de la forêt équatoriale qui est toujours là, tout le long du golfe de Guinée. Donc ce berceau qui se balade, il est en train de se fixer de façon très claire dans cette espèce de cercle concentrique autour de la forêt d'Afrique tropicale. Pour le moment, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le berceau de l'humanité est tropical et africain. Peut-être, c'est la conclusion générale honnête. Peut-être un petit complément à cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de préservation? Puisqu'effectivement, là où vous avez découvert vos gisements sont dans des endroits qui ont d'anciens lacs. Mmh. Et donc, évidemment, ça facilite la préservation puisqu'on a un affouissement rapide. Et que dans la forêt tropicale, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de préserver des ossements. Ils s'abîment, hein, les bactéries vont jouer leur rôle, et puis la préservation donc, se fait très mal. Oui, c'est vrai, oui. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que finalement, en étant un peu provocateur, nos ancêtres étaient partout en Afrique, même dans les zones tropicales, et qu'on les préserve que dans les endroits qui sont les endroits lacustres, et que par conséquent, ben, on a un biais, évidemment, d'échantillonnage? Alors, il y a une objection, c'est que dans d'autres régions d'Afrique, on a trouvé des fossiles de même âge, sans hominidés. Autrement dit, au terme des recherches actuelles, à force de chercher, on connaît tous les niveaux, on connaît l'illustration paléontologique de tous les niveaux, mais on sait que dans ces niveaux-là seulement, dans ces niveaux des tropiques seulement, on trouve les hominidés. Donc c'est en ce sens. Mais vous avez raison, ça me fait penser à l'histoire, vous savez, de ce pauvre type, sans doute un peu ivre, qui cherche ses clés sous le bec de gaz parce que c'est plus clair. Excusez-moi. Oui, pour répondre à ce que vous venez de dire, c'est ce qu'on m'a enseigné, ce que mes maîtres en géologie m'ont enseigné quand j'étais à la Sorbonne étudiant. C'est-à-dire que dans une forêt tropicale humide, on ne pouvait pas trouver de fossiles. Alors, il y a à Poitiers une partie de l'équipe qui cherche les premiers anthropoïdes. Et les premiers anthropoïdes, ils en ont trouvé un certain nombre en Asie du Sud-Est. Et on en a trouvé aussi maintenant en Afrique, en Libye, entre autres. Et moi, j'en cherche en Antarctique. Yves y a fait allusion tout à l'heure. Et tous les fossiles, à une époque en Antarctique, où l'Antarctique est justement couvert par une forêt tropicale humide. Laquelle forêt tropicale humide couvre tout l'Antarctique, remonte toute l'Afrique, traverse l'Iran et couvre tout le sud-est asiatique. Il y a une continuité et puis remonte en Amérique du Sud. Vous savez dans quoi on trouve les fossiles? Dans les lignites. Donc, les lignites.
Donc l'idée que ça ne se fossilise pas... Alors, mais là, j'irai pas plus loin, pas dans tous les lignites, et dans un certain nombre d'entre eux, oui, faut-il les reconnaître. Donc, quelque part, l'East Side Story, elle n'est pas complètement morte, puisque c'est quand même globalement sur l'est du continent africain, excepté au Tchad, qu'on trouve la plupart des fossiles, des restes. Non, là, il y a un peu de conservation, là, quand même. Parce qu'entre eux, ce ne sont pas des oranges, les fossiles. Et les hominidés non plus. C'est-à-dire qu'entre mes grands terrains d'Éthiopie et puis les terrains de Michel, il y a quand même tout le Soudan qui, pour le moment, n'a rien donné. Or, il a bien fallu qu'il passe aussi par là, ou qu'il vive aussi par là. Et donc, tous ces terrains sont encore très ouverts, y compris les terrains à l'ouest du Tchad, de Niger et jusqu'au Sénégal, qui sont susceptibles aussi de donner des restes. Non, je ne suis pas gêné du tout que le fait que l'Est ait été très important, en effet, mais que l'Est, désormais, est beaucoup trop restrictif et qu'il faut élargir à ce cercle concentrique dont je parle et qui situe un petit peu les choses. Et juste un mot à propos de ce que disait Michel. Bien sûr que le changement climatique est dangereux, bien sûr que le fait que la glace fonde, c'est embêtant parce que ça va faire monter le niveau de l'eau, mais les géologues et les paléontologues de mon espèce attendent avec impatience que l'Antarctique fonde pour voir ce qu'il y a dessous. Mais on est conséquent. Je crois qu'il ne faut pas dire ça ici. Mais... C'est pas politiquement correct. Oui, j'ai une question. Qu'en est-il actuellement des recherches dans l'Est algérien ? Oui, absolument. Il y a des recherches depuis très longtemps dans l'Est algérien, dans le Constantinois, dans la région de ce qu'on appelle Aïn Bouchrit et Aïn Hanesh. C'est dans la région de El Olma, pas loin de El Olma. Et les recherches là sont très anciennes, puisqu'on y a trouvé d'abord des pierres taillées qui étaient considérées comme les plus anciennes de tout le Maghreb. Et ces pierres taillées étaient au-dessus d'un niveau de fossiles de vertébrés, de fossiles d'animaux, et on disait que ça pouvait être le début du peuplement de l'Afrique du Nord. Et puis en fait, des recherches récentes par un jeune Algérien que j'ai eu d'ailleurs comme élève, qui s'appelle Mohamed Saanouni, des recherches ont montré que les couches en dessous, qui ne contenaient jusque-là que des animaux, viennent de livrer aussi des restes qui correspondent probablement à des hominidés avec des pierres taillées, des pierres qui ont vraiment l'air taillées, auquel cas ce peuplement de l'Afrique du Nord, en tout cas de l'Algérie et puis de l'Afrique du Nord-Ouest en général, dépasserait les 2 millions d'années, dépasserait les 2 millions d'années. Alors ça n'atteint pas les 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions que l'on a en Afrique tropicale, mais ça descend quand même, si j'ose dire, dans le temps et ça se rapproche. Et ça signifie aussi ce que l'on sait depuis longtemps, c'est que l'Afrique n'a pas toujours été ce continent coupé par ce grand désert et qu'il y a eu des passages paléo-géographiques et paléo-climatiques et paléo-environnementaux qui ont permis à ces êtres de bouger au sein même de leur habitat. En tout cas, l'Afrique du Nord vient de prendre un coup de vieux, si j'ose dire. Je voulais savoir comment se définit un préhumain. Oui. Vous avez raison. Je dirais, mais on va voir si Michel suit, que c'est le moment où le paysage s'ouvrant, tout en restant en partie forestier, mais le paysage s'ouvrant incontestablement, le grand primate que l'on a comme ancêtre se met debout. Et ce redressement du corps est quand même une révolution. Dans le port, on pourrait vous détailler ça, dans la position du crâne qui déverrouille beaucoup de choses, dans les courbures de la colonne vertébrale, dans la forme du bassin et par suite dans la,
dans la parturition et puis aussi dans la proportion des membres inférieurs qui se développent, supérieurs qui, au contraire, n'ont plus grand-chose à faire. Regardez les humains, regardez en sortant, vous-même c'est difficile, mais regardez-moi par exemple. Vous verrez que c'est terrible de s'être mis debout il y a 10 millions d'années, parce que vraiment, moi ça ne m'arrange pas du tout, d'une part. Et d'autre part, vous verrez aussi que le primate que nous sommes, le mammifère que nous sommes, est un peu ridicule. Il est debout avec ses grandes pattes qui n'en finissent plus, et puis ses membres supérieurs qui pendouillent. C'est idiot. Pour l'œil de la girafe, on n'a pas l'air très très malin. Hein. En tout cas, l'adaptation, il se trouve que l'adaptation qui est apparue à ce moment-là chez ces primates supérieurs a fait que la station debout a convenu mieux, au point qu'on est encore debout, ou assis, a convenu mieux comme adaptation à ce changement climatique que toute autre chose. Oui, pour répondre à votre question, je dirais d'une manière, mais c'est inclus dans ce que vient de dire Yves, le seul bipède strictement terrestre est le genre Homo. Tous les autres membres de la famille humaine connus à l'heure actuelle sont bipèdes, mais pratiquent aussi l'arboricolie. Donc la coupure semble être là. Alors, cette question est ancienne parce que vous savez bien qu'on a voulu longtemps, parce que ça c'était une idée qui persiste d'ailleurs dans certains cas, on a dit l'outil c'est l'homme. Seul le genre Homo est capable de tailler des outils. Avec les découvertes de l'équipe de Sonia Armand au Kenya, des outils à 3,3 millions. Bon, on s'en doutait avant, hein, mais là, c'est clair, les Australopithèques taillent aussi des outils. Donc, tailler des outils lithiques n'est pas le propre de l'homme. Par contre, la bipédie terrestre stricte, il n'y a que le genre Homo qui pratique. Juste avant de repasser la parole à la salle, je voulais rebondir sur le problème de la bipédie. La façon dont vous l'avez présenté, la présentation classique, c'est-à-dire de l'évolution du passage d'un animal à quatre pattes vers un animal à debout, la stature debout, un certain nombre de paléontologues envisagent, j'ai lu ça récemment, que l'homme, ou au moins son ancêtre, serait né debout de suite, et qu'il ne s'obéit pas une évolution comme cela est classiquement présenté, qui obéit à une logique un peu darwinienne. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus ? Je n'ai pas compris votre... Oui, si dans votre question, il y a cette idée de progression vers la bipédie, c'est-à-dire l'image, je crois, de ce que vous venez de dire, pourrait être cette image d'épinal qu'on voit fleurir un peu partout. Il y a un arbre, un singe, il descend de l'arbre, et puis petit à petit, il se redresse. Eh bien, ça, c'est une image de type créationniste. C'est créationniste, clairement. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Sûrement pas. Mais bon, on peut en discuter, mais le débat risque d'être long. On est là pour débattre. Mais je pense que au départ, vous aviez un ancêtre qui avait un certain qu'on ne connaît pas, mais dont on peut. Alors, il faut dire aussi, pour être complètement honnête et réaliste, que à l'heure actuelle, et ça, c'est pas sérieux. Ça, je vous accorde, c'est pas sérieux. On va vous dire, nous sommes le groupe frère des chimpanzés. Très bien. Parlez-nous des chimpanzés fossiles. On ne les connaît pas. J'espère avoir trouvé au Cameroun des niveaux qui pourront livrer des chimpanzés fossiles. J'espère. Mais l'espérance, ce n'est pas de la science. Hein. Bon. En plus, il se trouve que c'est dans la zone actuellement où il y a les problèmes avec l'Ambazonie, etc. C'est que malheureusement aussi,
On n'a pas évoqué ça, ni l'un ni l'autre. Au sein de l'Afrique à l'heure actuelle, toutes les zones qui nous intéressent sur le plan terrain sont des zones parfois un peu difficiles, quoi, hein. Quand je suis parti sur le terrain, là, au mois de novembre-décembre, j'avais deux snipers avec moi, plus trois hommes de troupe, quoi. Ça gâche un peu le plaisir, hein. C'est toi qui entraîne ça. Hein? C'est toi qui entraîne ça. T'as déjà mis le feu au Proche-Orient. Il y a beaucoup à faire. Et je crois que c'est toujours la même chose. Parce que c'est notre histoire, tout le monde est intéressé. Parce que, bah, on partage tous la même histoire et donc on est tous intéressés. Et alors, ce que vous attendez de nous, c'est qu'on vous raconte toute l'histoire et qu'on vous dise rien que la vérité, toute la vérité. Sauf que vous voulez tellement que vous nous poussez vers des limites où parfois on ferait mieux d'être plus raisonnable. Yves racontait tout à l'heure l'histoire de Lucie qui était tombée de l'échelle ou de l'arbre. C'en est une. Chaque matin, quand vous êtes dans la salle de bain, vous pouvez inventer une nouvelle théorie sur comment est née la bipédie, quoi, hein. Simplement, ce qui manque, c'est le matériel. Et imaginez qu'à l'heure actuelle... Ben, c'est fou, ça. Avec mon équipe, on trouve des fossiles au Tchad. On pourrait imaginer que c'est donner des idées à plein d'autres équipes pour aller travailler dans le coin. Alors, sauf que, je vous ai dit, tout est plat. Au niveau de l'Afrique orientale, vous avez eu le phénomène de rifting. Vous avez eu un basculement de la partie orientale de l'Afrique. Ce basculement a mis au jour un certain nombre de couches qu'on ne voyait pas avant. Et c'est là qu'on ramasse les fossiles. C'est plus facile. Tous les collègues américains que j'ai emmenés au Tchad, ils ne sont pas si nombreux que ça, m'ont dit c'est de la folie furieuse de travailler là, tout est plat. Le géologue de l'équipe est un géologue de l'université de Strasbourg. J'ai des images où pour avoir une coupe, eh bien, il est à la pelle et il fait son trou. D'accord ? Alors, mais il y a plein de choses encore à découvrir. Pour les jeunes, c'est extraordinaire ce qui reste à faire. C'est extraordinaire. Il ne faut surtout pas que les jeunes, en nous écoutant, pensent que tout est fait. Pensez-vous, c'est le début de quelque chose. On est en train de vous raconter le début, les prémices de quelque chose que vous allez vous découvrir. Et vous trouverez bien sûr des choses plus anciennes. Simplement, bah, permettez-nous de rêver. Et pour ce qui me concerne, je rêve forcément que ce soit les gens de mon équipe qui trouvent les choses plus anciennes. Mais à ça, je dirais, on a fait une exposition récemment avec le CCSTI Mendès France à Poitiers, qu'on a appelé « Tous humains ». Ma réflexion est une réflexion humaine. Mais c'est notre histoire, à nous tous. Merci. Et au Tchad, c'est sûr, il y a une partie de cette histoire qui est écrite. Je crois qu'il y a une question en haut. Oui. Ma question concerne la notion d'origine. Faut-il forcément que nous ayons une unique origine ? Qu'est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui sur la filiation depuis nos ancêtres ? Qu'est-ce qui prouve que nous ne descendons pas de multiples origines qui se sont croisées ? Qu'est-ce qui prouve que les fossiles que nous trouvons ne soient pas interféconds, etc., etc. Quel est l'état des connaissances là-dessus aujourd'hui ? Ben, l'interfécondité, c'est une chose, c'est une autre chose. Mais en fait, vous savez qu'encore une fois, la science est froide. Elle s'en fiche, hein, de ce qu'elle découvre et donc de ce qu'elle propose ensuite. Et il se trouve que sur les 200 ans de recherche paléontologique, les plus anciens, on vous l'a déjà dit, les plus anciens fossiles dominés, c'est pas très joli, mais on dit comme ça. C'est pour ça que je disais préhumain pour que ce soit plus accessible. Et en tout cas, les plus anciens sont là en Afrique et on a beau chercher à travers le monde, c'est là qu'ils sont. Donc on conclut que tout a l'air de se passer comme si l'origine était là-bas.
Et en fait, quand on cherche ailleurs, on trouve en effet des restes en Europe, on trouve en Asie, et puis ensuite en Amérique, mais beaucoup plus tard. Et tout ça est cohérent, tout ça s'enchaîne très très bien. C'est-à-dire que les fossiles les plus anciens fossiles d'Eurasie que l'on trouve là où on doit les trouver, à la sortie de l'Afrique, sont encore très liés aux formes africaines. Donc on suit un petit peu, si vous voulez, à la fois l'origine, mais c'est bien que ça c'est un grand débat philosophique. Est-ce qu'une origine, ça existe? Oui, pour moi, oui, c'est commode. Quand on travaille avec le temps, il y a un début quelque part. Donc je dirais oui, il y a une origine. Et ensuite, pourquoi on raconte ça? Parce que pour le moment, étant donné les découvertes que l'on a faites, tout a l'air de bien s'organiser comme ça, mais c'est tout. Ça peut être autrement, et peut-être qu'on le démontrera un jour, et on vous le dira avec le même enthousiasme et la même ferveur. Alors, on attend beaucoup de la paléogénétique. La paléogénétique, pour le moment, ne dépasse pas les 500 000, voire le million d'années, ce qui est beaucoup, le million d'années pour ces découvertes de brins d'ADN. Donc, c'est déjà considérable. Et sur l'étude de ces brins d'ADN, bien sûr, on va avoir des informations sur les filiations et sur l'origine d'un certain nombre de groupes humains ou de groupes pas préhumains, puisqu'on n'y est pas. Et pour le moment, les techniques ne permettent pas de retrouver ces brins d'ADN sur les formes qui dépassent le million d'années. Alors, on pense, bien sûr, on espère que les techniques vont se développer, ça ne fait pas de doute, et que peut-être que ces brins existent encore sous une autre forme et sous une forme moins accessible, mais qui peut être accessible par ces nouveaux moyens-là. Et donc, on aura des informations. Par exemple, on me dit souvent, est-ce que vous avez fait l'ADN de Lucie? Ben, oui, mais Lucie, pour le moment, n'a pas voulu du tout livrer son hérédité. Elle la cache, elle la cache. C'est comme ça, les filles. Alors, bonjour. C'est concernant la vidéo qu'on avait vue tout à l'heure. Il y avait une image de synthèse de Lucie. On voit, par exemple, des poils, la couleur de peau, etc. Je me posais la question, comment ça a été déterminé, tout ça? Ça n'a pas été déterminé du tout. C'est la fantaisie des artistes. Et c'est amusant, vous savez, je me suis amusé dans un livre que j'ai appelé « Le genou de Lucie ». Je ne peux pas vous donner le prix parce que je ne me rappelle plus. Publié chez Odile Jacob. Donc, dans un livre qui s'appelle « Le genou de Lucie », j'ai présenté quelques-unes des reconstitutions de Lucie. Et c'est très amusant parce qu'avec les mêmes ossements que vous avez dans votre tiroir, les gens, en fonction de ce qu'ils ont dans la tête, en fonction de leur culture, représentent les fossiles, reconstituent les fossiles un petit peu comme ils étaient, sûrement, tout n'est pas faux, mais beaucoup aussi comme ils les pensent, on ne peut pas faire autrement, quoi. C'est la nature humaine, mais c'est très amusant. Par exemple, la petite Lucie américaine est toute velue, on ne sait pas pourquoi, elle est toute poilue. La petite Lucie suisse, au contraire, est glabre, n'a pas de poils du tout. Elle est enceinte en plus, mais ça c'est autre chose, c'est parce que les auteurs ne savaient pas comment faire le ventre. Alors ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils l'ont fait enceinte, bon c'est bien. La petite Lucie anglaise est pitoyable, elle est maigre comme il n'est pas permis, elle a des seins comme des chaussettes, enfin, elle est triste possible, mais elle a quelque chose de bien, elle a des yeux mobiles, et ça c'est chouette, ils ont eu l'idée de mettre un petit moteur dans la tête, et puis les yeux se déplacent. Alors vous voyez les petits anglais au British Museum qui disent « Tadé, she moved !» Donc c'est pas mal. Autrement, elle est un peu triste, et etc. Quoi. La petite Lucie, j'ose à peine en parler, la petite Lucie italienne est tout à fait à l'inverse de ce que l'on a trouvé. La Lucie réelle n'a pas de taille du tout, au contraire. La petite Lucie italienne est passée à la taille. Enfin, c'est la merveille de la savane. C'est la petite pin-up de la savane. Non, vous savez, on se projette. Quoi. Moi, j'ai eu beaucoup de thésards qui ont travaillé sur Lucie, sur des éléments de Lucie. Et j'ai eu en particulier une élève qui s'appelait Christine Berge, enfin qui s'appelle Christine Berge. Et Christine Berge avait comme thèse l'étude du bassin.
Donc elle a étudié le bassin, elle l'a fort bien étudié d'ailleurs, et je faisais bien sûr dans mon labo, comme n'importe qui, des séminaires pour que les jeunes thésards exposent leurs travaux, exposent l'endroit où ils se trouvent dans leurs recherches, les questions qui se posent, etc. Et lorsque Christine Berge est venue dans mon laboratoire, est venue exposer à un certain nombre d'étudiants comment était le bassin de Lucie, elle nous a montré que les muscles glutéaux, autrement dit les muscles des fesses, n'étaient pas du tout des muscles comparables aux fesses humaines. Donc le gluteus maximus, qui fait la rondeur de nos fesses, n'était pas du tout ça, et que le derrière de Lucie était un derrière plutôt de guenon, quoi, un derrière un petit peu plat. Vous ne pouvez pas vous imaginer la morosité du laboratoire, alors que la science, encore une fois, devrait être froide, et on reçoit une information comme ça, d'un chercheur à d'autres chercheurs, eh bien, il y a eu une espèce de mauvaise humeur, de tristesse pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'on se remette quand même un peu. Donc voilà, beaucoup de subjectivité, bien sûr, dans nos recherches. Forcément, hein. Nous sommes humains, comme dit Michel. Il y a une sorte de polémique à propos du fémur de Toumaï, qui aurait été pris sur la photo des restes humains quand il a été retrouvé, et qui n'aurait pas été analysé. Et du coup, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Quelle est la question ? Est-ce que le fémur, il a été analysé ? Vous pouvez vraiment dire qu'il appartenait à Toumaï ou pas encore ? Alors... Là, vous allez juste une petite parenthèse. Vous allez découvrir le vrai caractère de Michel Brunet. Attention. Alors, compte tenu de ce qui vient d'être dit, rassurez-vous, je vais être smooth. Tout le monde dans cette salle sait qu'un fémur n'a aucun contact anatomique avec un crâne. Tout le monde sait ça dans la salle. Apparemment, j'ai des collègues paléo-anthropologues de renom qui semblent ignorer ce détail. Pourquoi pas, on ne peut pas tout savoir. Hein. En paléontologie, la règle est, pour dire que deux ossements ou plusieurs ossements appartiennent au même individu, il faut les trouver en connexion anatomique. Ça existe, hein, on connaît des squelettes en connexion anatomique. Donc, le fémur dont vous parlez, j'imagine que c'est le fémur qui est publié sur un blog d'un collègue nord-américain. C'est ça ? Oui. Ça ne vous interroge pas ? Un fémur qui a été trouvé par un Français, fémur non encore publié, et qui apparaît sur le blog d'un auteur étranger. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Alors, jeune comme je suis, moi je pense que là, il y a un problème d'éthique. Parce que la photo, elle vient d'où ? De mon labo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans mon labo, j'ai un Judas. J'ai déjà dit ça en chair, à Londres, à Oxford University, devant un parterre de savants étrangers. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, j'imagine que vous avez vu, que vous connaissez le film de Toumaï. Oui ? Oui ? Vous n'avez pas vu ? Alors, si vous aviez vu ce film,
Vous auriez vu une reconstitution où Toumaï était bipède, et vous auriez vu un grand machaérodonte épouvantable avec des canines en dents de sabre. Et vous auriez vu, finalement, ça se termine mal, Toumaï se fait tuer par ce machaérodonte. Mais Toumaï, il grimpe aux arbres pour faire son nid. Si, et vous auriez vu au départ ou à la fin, dans le générique du film, que j'étais conseiller scientifique du film. Pensez-vous réellement que j'aurais laissé mettre mon nom sur des images dont auxquelles je n'aurais pas cru? Sans doute pas. Sans doute pas. Ça, c'est une autre remarque. Nouvelle remarque. Naïvement, je suis resté naïf. Il faut essayer de rester naïf. Quand ce fémur a été trouvé, naïvement, j'ai pensé qu'on allait en trouver d'autres. Ah. Alors, on a trouvé d'autres choses. Je ne vous dirai pas quoi. Personne ne le sait à l'heure actuelle, ça. On a trouvé autre chose. Bon. Avant de faire le film, tout ça, je l'ai analysé. Mais j'étais persuadé qu'on allait encore en trouver d'autres. Et c'est classique en paléontologie, on ramasse des restes et puis on essaie de trouver d'autres restes pour compléter. Mais j'ai eu un Judas. Que voulez-vous que j'y fasse? Alors, dans le système actuel, le Judas, tout le monde veut s'en servir. Pourquoi pas? Moi pas. À ça, je réponds, tous humains. Dernier point. Non, avant-dernier point. Pour justifier ce que je viens de vous affirmer, le premier papier de Nature, non, ce n'est pas le mien, le premier papier de Nature portant sur la liste phonique associée à Toumaï comprend 30 espèces. 30 espèces différentes. À l'heure actuelle, la liste phonique comprend plus de 100 espèces, non inclus les rongeurs, pour lesquels il y aura une quinzaine d'espèces. Donc on est nettement à plus de 100 espèces. Donc vous voyez qu'on a trouvé beaucoup de fossiles. Hein. On a du site de Toumaï, on doit avoir de mémoire au moins 15 000 restes fossiles. Bon, c'est une démarche qui est habituelle. Voilà. Alors, ce fémur que j'ai, paraît-il, pas étudié, voire pas été capable de reconnaître, voire incapable de l'étudier. J'ai des notes que j'ai prises en visitant les collections d'Amérique du Nord en 2004. Et en 2004, j'avais une parfaite idée sur ce que ce fémur était. Alors parlons des conclusions maintenant, que je ne vous donnerai pas, ce n'est pas publié. Mais c'est en cours de rédaction. Merci. Ce fémur, si vous revenez à ce que j'ai dit au départ, pas de connexion anatomique entre le crâne et le fémur. Donc personne, je mets au défi quiconque de prouver que le fémur et le crâne appartiennent au même individu. C'est impossible. Impossible. Peut-être, peut-être pas. Alors je vais vous dire, si le fémur dit qu'il n'est pas bipède, ça veut dire qu'on a une deuxième espèce de primate
dont le site, parce que le crâne est clairement un crâne de bipède. Si le fémur est bipède, ça veut dire que la probabilité que ce fémur appartienne à la même espèce que Toumaï est plus forte que toute autre probabilité. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Il m'a semblé que la réponse était extrêmement claire. Je vous propose une dernière question et on laissera nos conférenciers conclure. Il y a une question tout en haut. Moi, je ne sais pas s'il y a un micro. Ah, il y en a une là, alors. Bon, deux. Ah, vas-y. Alors, moi, j'aurais une question assez simple, mais qui, je pense, a toute son importance, finalement. Messieurs, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait de découvrir Lucie ? Qu'est-ce que ça fait à un homme de découvrir Lucie ? Qu'est-ce que ça fait à un homme de découvrir Toumaï ? Il faudrait demander à Lucie. Vous savez, j'ai un jour dans une école des jeunes enfants, c'était des jeunes enfants, il y a un petit garçon qui m'a dit « Qu'est-ce qu'elle a eu comme chance, Lucie, de vous découvrir ?» Je trouvais ça charmant. Alors, Lucie, ce n'est pas un bon exemple, parce que Lucie, on l'a trouvée en 1974, et en 1973, l'année d'avant, on avait déjà trouvé des restes préhumains dans ce site-là, qui s'appelle Hadar et qui est dans l'Afar éthiopien. Il s'agissait d'un temporal, d'une part, et puis d'un genou, d'autre part. Un genou, c'est-à-dire un fragment de fémur, un fragment de tibia proximal et fémur distal, donc l'articulation. Et je l'avais appelé d'ailleurs le genou de Claire, vous voyez, c'était charmant. Puis Claire a été complètement éclipsée par Lucie. Alors quand, l'année suivante, on a trouvé quelques ossements d'hominidés, c'était important, c'était intéressant, c'était un site de plus, mais c'était un site de plus. C'était pas nouveau, on avait déjà trouvé des hominidés. Et ce n'est qu'au fil des jours que, trouvant d'autres ossements, trouvant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas deux morceaux de tibia droit, deux tibia droit, ni deux humérus gauche, ça avait l'air d'être les ossements d'un seul individu. Donc l'enthousiasme est venu petit à petit, quoi. L'enthousiasme n'est pas venu tout de suite, il a été progressif. Ceci dit, bien sûr qu'il a été fort, qu'il a été puissant, et que la découverte en général est toujours tout à fait extraordinaire. Ça fait partie sûrement de l'attraction, pour moi en tout cas, de passion comme la nôtre, c'est l'intérêt de la découverte. On sait par nos connaissances, par nos recherches, un peu ce que l'on va trouver. Mais il y a toujours des éléments qui ne sont pas du tout parmi ce que l'on imagine. Il y a toujours des choses tout à fait inattendues, il y a toujours des choses tout à fait étonnantes, des choses d'ailleurs qui viennent contredire parfois ce que l'on pensait, bien sûr, sur le terrain. Donc toute découverte est extraordinaire. Mais en ce qui me concerne, j'ai donc trouvé un fragment crânio-facial, enfin un fragment de crâne, au Tchad en 61, c'est une vieille histoire, et ce fragment qui est beaucoup moins ancien que je ne le pensais, a été pour moi un grand choc. Ça a été un grand choc parce que c'est le premier. C'était la deuxième année seulement que j'allais sur ces grands terrains d'Afrique, en l'occurrence les grands terrains du Tchad dont vous a parlé Michel. Et le fait de trouver ce fragment qui, en plus, ne s'est pas révélé tout de suite, il a fallu que je le retourne pour comprendre que c'était de face. Enfin, je me suis trouvé face à face avec un type, quand même, face à face, avec un type fossile, mais quand même avec un bonhomme. Ça a été très impressionnant. Et c'est le premier, quoi. C'est peut-être pour ça que ça a été très, très fort. Après, j'ai trouvé d'autres choses. Mais chacune des découvertes est très puissante. Et encore une fois, l'exemple de Lucie n'est pas tout à fait le bon, puisque Lucie a été une montée en puissance de l'intérêt jusqu'à l'explosion finale de voir qu'on avait véritablement un seul et même petit personnage.
Vous voulez dire un mot ? Allez, ton enthousiasme. Oui, pour moi, je pense que, en ce qui concerne les découvertes, vous avez deux types de découvertes. Les découvertes attendues et les découvertes inattendues. Les découvertes attendues, c'est tranquille. Il n'y a pas de problème. Les découvertes inattendues, oh là là, oh là là, oh là là, c'est autre chose. Et on retrouve là exactement ce que j'appelle volontiers, pour ne pas rentrer dans les détails et rester très smooth, tous humains. Quand vous faites quelque chose et quand vous réussissez quelque chose, vos amis proches sont plus contents que vous. Plus contents que vous. L'immense majorité s'en moque. Mais il y a une pathologie qui peut arriver et que certains peuvent attraper. Une pathologie qui est incurable, qui s'appelle la jalousie. Et si des collègues ici, dans la salle, quelle que soit leur spécialité, me disaient l'inverse, je ne les croirais pas. C'est ainsi, tous humains. Et ça, c'est pas curable. C'est pas curable. Alors, quand on change d'ethnie, les réactions changent. Si vous allez, et j'ai beaucoup de collègues, et je fréquente beaucoup de collègues des grandes universités nord-américaines, ils font bloc quand il y a une découverte inattendue, ils font bloc derrière, ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas chez nous. Pas de bloc. C'est une erreur. C'est une erreur. Bon, c'est comme ça. Mais je suis très fier d'être français. Si je dois faire passer un message pour terminer, c'est que pour ce qui me concerne, avec tout ce que j'ai dit, eh bien, les jeunes, vous avez un boulot immense à faire en Afrique. Il y a plein de pays où vous pouvez aller chercher et où vous allez trouver. Donc, si à l'heure actuelle, des responsables français dans le domaine de la recherche nous écoutent, il est important, il est très important pour que nous gardions au sein de la communauté internationale la place qui est la nôtre. Il est important qu'on continue à financer, voire à financer encore plus, parce que on est relativement en période d'étiage, à financer les recherches sur le terrain. C'est en allant sur le terrain qu'on trouvera de nouveaux fossiles, et c'est avec les nouveaux fossiles qu'on pourra vous raconter de nouvelles histoires. Pas de fossiles, pas de nouvelles histoires. N'hésitez pas. Et pour trouver les fossiles, il faut de l'argent. Merci beaucoup. N'hésitez pas en sortant. Alors moi, je terminerai juste sur un petit mot. Une pathologie qui n'est pas belle, qui est la jalousie, mais je crois qu'il y a une belle pathologie, c'est la passion. Je crois que vous êtes vraiment animé par cette passion. Et je crois que ce qui est tout à fait remarquable, moi qui étais étudiant en géologie, c'est que votre passion, vous nous avez fait passer depuis des décennies. Et je pense que dans la salle, il y a un certain nombre de personnes, des collègues avec qui j'ai travaillé aujourd'hui, qui sont des géologues, parfois des paléontologues, qui m'ont dit « C'est parce qu'il y a 20 ans ou 30 ans, je suis allé voir une conférence de Yves Copins ou de Michel Brunet que j'ai décidé d'être géologue. » Et je crois que là, on peut vraiment vous remercier parce que cette passion, elle est toujours intacte. Je crois que vous l'avez passée à l'ensemble des personnes dans le public. Vous avez passé aux jeunes, et je crois que c'est un message très fort que vous avez fait passer, que la recherche, eh bien, évidemment, ça continue, elle ne s'arrête pas, hein, y a un avenir. Elle ne s'arrêtera jamais, et je crois que ça, c'est tout à fait important, la recherche. Voilà. Donc je crois qu'on peut vraiment vous remercier. Je crois qu'on va conclure là. Je crois que toute la salle peut vous applaudir pour cette magnifique conférence. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Est-ce que tu as été bon ? La station debout. Alors, ne, s'il vous plaît, partez pas en... Allô, allô ? J'ai plus de son. Juste une petite minute d'attention. Je crois qu'il y a des petits prix, des cadeaux, pas des prix. Des prix, vous en avez suffisamment. Mais des cadeaux qui vont être remis par la présidente de l'université, de la commu, et le président de l'université. Voilà. Je préfère faire ça que d'attendre.